que nous constatons pendant un an accord 21 décembre 2022, c'est plus la vie chère, grand goût et sécurité alimentaire, c'est plus chômage, en pile business crasé, kidnapping, insécurité, vol, viol, assassinat, disparition, trafic moun, c'est plus territoire perdu. Tout pays a gangsterisé devant le pouvoir en place là, qui est en tête li, Dr. Ariel Henry, PM de facto à Aleliou. Force opposition radicale pour changement a invité la population haïtienne dans le funérail accord 21 décembre 2022. Accord 21 décembre a couché un ACT pas utile. Mission accord 21 décembre, c'est pour te mettre un KEP sous pied pour te capable d'organiser élection, bon genre élection crédible dans le pays pour permettre un président rentrer dans le palais national 7 février 2024. Il a échoué. Accord 21 décembre permet un paquet de monde vienne plus riche. Plus gang, sapate et cravate. C'est corruption tout partout. Avec impunité, capital et boda. Face à tout constat, sa yo, force opposition, invite toute population haïtienne, tout citoyen engagé, tout militant conséquent, dans un gros sitin populaire, jeudi 21 décembre 2023, à 18 tapant devant primature, pour nous chanter funérailles entièrement, accord 21 décembre 2022, qui c'est un accord matichon pour le peuple haïtien. Après entièrement accord comme ça, à partir du mois de janvier, quand la mobilisation pour recommencer sur tout le territoire national là, jusqu'à 7 février 2024 pour nous retirer Ariel PM de facto dans la tête primature. Tout le monde connaît c'est accord ça qui bat PM Ariel Henry légitimité pour nous rester là toujours sous pouvoir. Puisque nous avons enterré Akosa, nous avons chanté Finirali, nous avons fini avec Akosa, PM Ariel Henry n'a pas gagné aucune légitimité pour nous rester plus au-delà de 7 février 2024. Peuple haïtien, nous avons rendez-vous historique devant primature, quelle que soit l'organisation de base, quelle que soit le parti politique de l'opposition, quelle que soit étudiant qui a lutté pour le changement de pays, et bien citoyens engagés, protestants, vaudouisants, diaspora ou même côtoyés, participer en esprit pour que nous retirions à Kosa, Mounsayo, qui a dirigé le pays, qui mène le pays dans ma cité, dans ma diversité. Là, on tout labyrinthe côté de Marocoma pour nous sortir. Et nous dit que, à partir de 7 février, pas de accord, pas de premier ministre de facto, Ariel Henry encore dans la tête primature. Qui donc, rendez-vous à Kassé pour ma décembre, non? Parce que nous n'avons pas de bien dans tout hôtel, il te dit pas de fête pour malheureux. Année ça, tout le monde constate, journalistes surtout, nous voyons que pas de fête. Nous n'avons pas de décembre, et puis nous disons, mois de décembre déguisé, pas gagné. Mois de décembre, c'est mois d'amour, de partage. Mais pour le gouvernement, ça, eh bien, c'est plus gang, c'est la vie chère et sécurité. Et kidnapping qui a continué par le terrain, plus territoire perdu. Mariani, route coupée, pas gagné pour faire de celui-là. Non, non, même bagaille là. Qui donc, pour voir ça en place là, nous déjà dit, c'est un gouvernement anti-peuple, anti-changement, qui pas porter changement dans le pays, c'est la misère et sécurité. Eh bien, nous battons le rendez-vous jeudi matin à 17h30 devant pour Mathieu pour nous dire Ariel Henry, place si pas encore, il n'y a pas de pouvoir légitime encore. Qui donc, communauté nationale là, prenons note, CARICOM, prenons note, pas gagner encore 21 décembre encore, pas gagner Ariel qui a pouvoir légitime encore. Qui donc, nous prenons le travail sur une autre nationale pour nous retirer. Le peuple là dans la situation chaotique qui est jeudi. Merci la presse. Madame Maniga, dans sortie de Pépel, qui dit pas de monde qui est capable de la CPM dans cette février 2024 là. Mais nous-mêmes, qui positionnons et sur nous, qui je nous pas le faire pour nous capables d'installer l'autre monde soit dans le monde. Nous disons ça déjà.
à partir de jeudi 21 décembre 2023 là, puisque nous parlons enterrer accord 21 décembre 2022 que madame Maniga l'ina HCT HCT inutile qui pas utile rien population haïtienne non qui donc même madame Maniga qui fait première déclaration et bien c'est février place pas là et bien puisque accord a enterré et bien HCT pas là encore madame Maniga c'est du passé et bien nous pas le travail parce que paquet de partis politiques responsables dans le pays là mettons ensemble pour nous sortir au gouvernement de consensus comme nous dit déjà la retourner avec exécutif bicéphale là pour un président le premier ministre qui va choisir en consensus donc nous croyons que c'est président ça qui pourra prendre place en février 2024 qui va avoir pouvoir pour convoquer peuple en ses communes dans l'année qui vient. Alors une fois que Ariel Henry allait, est-ce que nous-mêmes nous avons des mises en place qui fait justement pour remplacer Ariel? Tout à fait. Mise en place qui est déjà une alternative qui fait que on fait presque toutes propositions sorties des crises et de tous ces secteurs qui font, nous sommes son seul bagage. C'est un exécutif bicéphale de tête qui parlait, quelqu'un qui parlait de cour de cassation, quelqu'un qui parlait de membre du conseil présidentiel, et tout ça yo, c'est chita ensemble qu'on y a pour nous dire mais qui est-ce qui va remplacer Ariel 7 février 2024 et Ariel va pas diriger le système monocéphale qui est gagné la journée aujourd'hui qui s'est resté avec blanc qui toujours avec les blancs tout blanc qui pas gagné rien qu'à faire et même quoi groupe là journée jeudi à fatigué yo route et bini ni même mot tout parce que malgré ces bini qui était fédéré gang yo dans pays qui fait que jeune garçon jeune femme pas qu'à sortir dans quartier populaire à manifester mais même yo route journée jeudi à de ça qui a passé parce que ouais nous tombé dans une situation désastreuse chaotique que personne pas comme ça pour faire mais c'est peuple là qui pour prendre destin en main c'est peuple là qui pour retirer côté là et c'est peuple là qui pour dit mais monde qui va diriger 7 février 2020. En attendant, le peuple a un rendez-vous pour enterrer l'accord 21 décembre 2021 pour que personne ne puisse parler dans nos accords encore parce que nous disons encore Matichon, il y a un accord qui porte souffrance, misère, atroce dans le pays. C'est plus gang, c'est plus territoire perdu, c'est plus la vie chère. Pas gagné encore, corruption, impunité, c'est le résultat accord 21 décembre 2021 qui est en tête. André Michel, SDP, qui est fusion, Madame Bozil, qui est vérité, unité, tête ensemble, et la trier. Nous disons que cette fois-ci, nous allons prendre un PHTK, quatrième version encore dans le pays. Fois ça, le peuple a levé le campé pour nous dire ouais, pas ouais, il faut qu'il y ait changement dans le pays. Vous avez un nom pour cette billet, tu parles de la Sahel? Non, vous le monde bagain, c'est notre tête ensemble, la consensus, nous allons jouer un nom et nous allons connaître plus très bientôt.